Gérald Darmanin a constaté les dégâts à l'extérieur de l'église avant d'échanger avec les élus et les autorités religieuses. Pour le ministre de l'Intérieur, l'acte intentionnel ne fait pas de doute. S'en prendre à une église, à un lieu de culte, évidemment un choc contre la République. Dans la nuit de samedi à dimanche, après plusieurs heures de violence, des hommes cagoulés ont incendié une voiture et l'ont projetée sur la façade de l'église. Pour Mgr Michel Dubost, les églises catholiques sont une cible. Il y a eu dans l'agglomération lyonnaise à peu près 13 exactions contre des églises depuis le 1er janvier. Je trouve que c'est trop. Cette nuit-là, des pompiers sur place ont reçu des jets de projectiles par les individus et parlent, eux, de violences urbaines. Quand il y a une douzaine de véhicules qui brûlent sur un secteur d'environ 1 km², on ne peut pas dire que c'était l'église qui était visée. Gérald Darmanin annonce des renforts pour la métropole de Lyon. Il doit recevoir dans les 10 jours des élus locaux.